What's up guys, vous êtes la forme, je pas les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing. Ouais, je l'ai bien dit tout à l'heure, j'ai dit unboxing, on dirait que j'ai parlé chinois. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo unboxing. Bon, ici il y a la grosse bête, il y a un écran, ah oui, un écran, un très bon écran, pas trop cher, même si ça vaut, ça pique quand même un petit peu, mais bon, je vous montre ça, je sais, vous voulez voir la petite boîte. Attends. Putain. Bon, attendez. Moi je suis con, je soulève ça avec ça et ça. Le truc le plus lourd, je crois, c'est ça même. Bon, attendez. Avant de montrer la petite boîte, la petite grosse boîte plutôt, je vous montre ça. Donc ça, c'est un petit support TV, donc un petit support plutôt écran parce que ça prend les 10 jusqu'à 27 centimes. Centimètres, 27 pouces, voilà, j'ai eu peur, j'ai... Oh, centimètres, attends. 27 pouces, ça pèse quand même son poids. Ouais, 25 kilos, laisse tomber, c'est une espèce de brique. Et ça fait 5... Est-ce qu'on voit devant? Ah non, c'est même... Ah oui, il y a écrit là. Et ça fait ouais, 25 kilos, comme je l'ai dit, et ça fait 100 fois 100 mm. Bon, d'abord, on va déballer ça en premier, hein, d'accord. Et le plus gros à la fin. Donc ça, c'est l'écran, je vais vous mettre... Voilà. Je sais pas si vous voyez bien parce que moi j'ai même pas le retour. Donc voilà, ça c'est l'écran. Donc voilà. Allez, venez, on va déballer ça. Ah. Allez, c'est parti. Avec mon couteau le plus vieux du monde. Il est là les mecs. Le couteau le plus vieux du monde, il est ici. Oh putain. Ouais, d'abord on va commencer par ça. Je rigole, encore une fois je rigole. Je suis un humoriste, je sais. Allez, c'est parti. Ok, d'accord, pas besoin du couteau. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Et ça, ça pèse 25 kilos, ça, genre. Ok, d'accord. Voilà, donc ça, c'est tous les vis. Voilà. Et ça, je l'ai payé 2 euros. Ça, vraiment, ça coûte 12 euros. Je l'ai payé 2 euros. Oui, tu rêves pas, t'as bien entendu. 2 euros. Bon, si je fais... Bon. Bon, j'ai trouvé ça sur le Groupon. Voilà, allez. C'est pas grave, même si j'ai dit la marque. Ah, oui, t'as dit de la publicité, c'est pas bien. T'es en partenariat. Chut. Attends, t'as des conneries là. Oh. Putain, j'ai déjà cassé un truc. C'est quoi ça? Dis-moi pas, je l'ai pété. Allez, c'est parti. Pour l'écran. On va essayer de couper ça délicatement. C'est d'accord. Le couteau, il est tellement vieux qu'il coupe même pas. Là, je suis délicat là. Non, je... Donc, quand tu rouvres le petit bordel, attendez, je vais vous prendre avec moi. Si vous n'allez rien voir. Voilà. Quand on prend la petite bébête, il y a les petits câbles en premier. Donc, il y a un câble HDMI. Allez, allez, allez. Vous connaissez quand même ce que c'est un câble HDMI. Il y a un autre câble. Non, je rigole. Ça, c'est un câble DisplayPort, à mon avis. Je vois pas trop l'embout. Oui. Câble DisplayPort, voilà. Si vous achetez une télé 144Hz, ah oui, bon, je vais dire après les descriptions. Câble USB pour brancher sur l'ordinateur. Câble d'alimentation. Il y en a des putains de câbles. Ça, c'est en avis, c'est un truc. Oh putain, ça à mon avis c'est un truc pour mettre les câbles à l'intérieur pour que ça soit plus joli, on va dire ça comme ça, pour rendre plus esthétique, pour que ça soit plus esthétique. Bon, des putains de papier, ça je crois personne lit, à part si vraiment t'es en galère, je sais pas comment ça fonctionne, mais sinon, laisse tomber, ça c'est bon. Bon, le CD des fois t'en as besoin, par exemple si tu veux installer Windows, c'est le seul moment où t'en as besoin. Au fond il n'y a rien.
Et au fond, il y a plus d'air. Bon, je reviens, je sors ce bordel de là. Et puis je vous reprends tout de suite. Je l'ai enfin sorti de sa boîte. Allez, il est ici. L'écran est ici. Par contre, il y avait tout ça encore comme câble. Attendez, putain. Trop de câbles là. Oh là 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 là. Je sais pas comment je vais cacher tous les câbles là. Mais bon. Donc ça, c'est le câble d'alimentation qui se branche au, on va dire, petit transformateur. On va dire ça comme ça. Le petit transfo. Et ça. Donc ça, c'est le petit pied. En tout cas, il est très beau. En métal. Voilà, en métal. Ce petit truc, je sais pas ce que c'est. À mon avis, c'est un truc qu'il faut clipser derrière l'écran. Pour utiliser. Enfin, à une main, c'est vraiment la galère. Hein. Ah, laisse tomber. Hein. Donc voilà. Putain, ça, ça pèse lourd aussi. Ça, c'est lourd, ça. Oh là là. Là, je suis en train de flipper parce que mon mur, c'est du placo. Et j'ai peur que ça se pète la gueule. Ça, on va mettre ici, hop, hop, et maintenant on va regarder l'écran. Attention, 1, 2, 3, ok, d'accord. Voilà les amis, j'ai enfin réussi à l'enlever du plastique. Oh putain. Putain, j'ai déchiré le papier. Très beau écran, franchement, rien à dire, il est magnifique. Magnifique. Donc voilà le cul de l'ordi. Voilà le derrière de l'ordi. Donc là, il y a le logo. Il y a un truc qui protège, il faudra l'enlever, je vais l'enlever après. Donc on va regarder un petit peu les connectiques qu'il y a. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a un truc pour verrouiller l'ordi. Donc c'est un petit bouton pour verrouiller l'ordi. Là, les ports USB. Le port pour connecter avec le câble qu'on a vu tout à l'heure, l'écran à la tour. Ici, l'alimentation. Et oui, l'écran a une alimentation directement. Donc ça, moi, j'avais pas ça avant. Ah, là, j'ai mis deux et... Ici, c'est le DisplayPort. Voilà. Voilà, et ça, le pied, vous le mettez derrière. Le pied, laisse tomber, ça pèse en moins, je sais pas combien. Moins 7 kilos, ça. Putain, ça, c'est encore plus lourd que le pied. What the fuck? J'espère que le petit unboxing vous a plu. Et bon, voilà, lâchez le like, comme d'habitude. Abonnez-vous, partagez au maximum, les amis. Sur ce, peace, et à une prochaine vidéo.